Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec ma petite chérie Charlotte aujourd'hui et donc on part pour une belle petite randonnée d'une dizaine de kilomètres et nous on va monter vers là-haut derrière, donc on va monter au col de Plainvoir, on est dans le 04 et donc voilà, ça va être une belle journée aujourd'hui, regardez le soleil, grand ciel bleu et on devrait avoir une vue incroyable sur le lac de Sainte-Croix. Donc allez, c'est parti, on vous montre tout ça, on prendra notre repas au col et un bon petit café. Allez, c'est parti. Go. Bon les amis, première étape de fête, on est au col de l'âne à 1094 mètres et donc on a fait environ 418 de plus sur environ une heure et 2,4 km. Et a priori on est à 20 minutes du col de Plainvoir, donc ça va être vers là-bas qu'on va faire notre pause déj et boire notre petit café, tout ça, tout ça. Sur le GR4. Et voilà, on va continuer. Allez, c'est parti les amis, go. Yes, ben voilà, on est au col de Plainvoir les amis, 1168 mètres d'altitude. Puis maintenant on va se diriger vers, il y a plusieurs belvédères un peu plus haut et eux vous donnent une superbe vue sur le lac de Sainte-Croix. Donc c'est là où on va aller et c'est là où on va prendre notre pause-déj. Prête mon chaton. On y va. Allez, on y va, c'est parti. C'est agréable. Bon, on est bientôt au belvédère qu'on disait, on va continuer. Et là, on vient de trouver un joli fossile. Je sais pas si vous voyez. Ah. Voilà. Ouh. Ouais, on voit sacrée neige là-bas. Regardez. Je sais pas si vous la voyez, mais elle va être... Mais c'est chouette. J'ai presque peur. Bon les amis, on est un peu plus équipés. Ouais, il fait un peu frais là, mais donc on était au premier belvédère juste là et nous donc on va se diriger juste en face, longer jusque là et après on fera demi-tour
direction col de Plainvoir et on reprendra la descente. Allez go. Attention, un pas après l'autre. Incroyable. Bon les amis, on a trouvé le petit lieu avec la petite vue justement sur le pont. C'est incroyable. Bon, il y a pas mal de vent par contre. Mais je me demande ce qu'on va faire, mais c'est incroyable cet endroit là. Arrivé au deuxième belvédère, en fait, il faut continuer un peu vers la crête. Et après, il y a un genre de chemin qui va... Une genre de mini-vire qui redescend. Et non, c'est vachement chouette. Ah ouais, ça. Mais ils ont fait un feu là. Ouais, les amis, on est arrivé à Saint-Morin, 770 mètres d'altitude. Et bon, on n'est pas tout en bas, mais on est bien redescendu parce qu'on était tout là-haut. Et là, c'est une sacrée descente du côté accès au col de Plainvoir. Côté accès col de l'Âne, la montée est beaucoup moins raide. Donc, si jamais vous la faites, plutôt monter par ici, donc monter au col de Plainvoir directement et redescendre par le chemin au col de l'Âne. Voilà, donc nous, dans tous les cas, on va continuer, je suppose, vers le coteau des Félines. Puis voilà, je vais vérifier quand même, mais allez, go. Bon les amis, yes les amis, donc là on vient d'arriver donc coteau de Félines, et donc nous on va reprendre la direction de col de l'Âne, mais plutôt bois de Félines, 0,7 km et environ 10 minutes ça dit. Donc allez, on va jusqu'à la prochaine bifurque, et à la prochaine bifurque il y aura justement un autre panneau comme ceci indiquant le col de l'Âne et aussi le parking d'où l'on vient. On prendra à gauche et non à droite et on retournera au parking. Allez, on y va les amis, c'est parti. Dernière ligne droite, go!
ça, il y a juste écrit parking. Yes les amis, on est arrivé à la voiture, on a fait une belle boucle, on aura randonné environ 5 heures quasiment, on aura fait un peu plus de 10 km aujourd'hui, pour environ 750 de plus, 750 de moins, à tout casser. Non, c'était une super balade, faut dire, on est monté donc directement du parking des Félines, on est monté directement au col de l'Âne, col de l'Âne directement col de Plainvoir. Col de Plainvoir, bien sûr, c'est là où il y a la superbe vue. Et on est redescendu après du col de Plainvoir, direction le parking. Donc c'était une super balade. Et il faut dire qu'elle était bien fatigante. Ça va toi ? Ça va. Bon ouais, les amis, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Gardez-vous bien et à bientôt sur les sentiers.